messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bonjour, bon matin et bon réveil. Nous sommes heureux de la grâce que le Seigneur nous accorde de nous retrouver dans cet espace en ce moment pour continuer ce voyage, ce temps de prière et de dévotion, et surtout dans le cadre de cette série « Amis ou dans bataille ». Donc nous comptons que le Seigneur a fait nos dormir, nous lever, c'est toujours avec un pile empressement, un pile chaleur que nous avons espace ça pour être capable ou accompagnement, ça aide ça en prière, et nous espérer que pendant la saison, ça en pile chaîne qu'elle va péter et en pile monde elle va délivrer au nom de Jésus. Donc, à vous-même qui êtes enlevé, à vous-même qui êtes en prêt pour mener la bataille là, nous disons qu'un bel appalagé qu'on est victoire déjà assurée, car nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons encouragé à partager le lien avec abonner à notre page, encourager à abonner à notre page YouTube, et ainsi on va aider nous faire travailler ça, ou même qui vont nous monde qui en difficulté, et qui persécuté, s'il y a une délivrance, na bon Dieu, une grâce, na bon Dieu. Et que le Seigneur est capable d'aider nous, que le Seigneur est capable de faire dans nos vies des choses extraordinaires pour la gloire de son nom. En nous la prière pour que nous sommes capables de commencer notre temps. Nous bénissons, Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, de faveur et grâce qu'on accorde nos matières de nous trouver en ta présence. Merci de ce que tu as vécu sur nous pendant les heures de la nuit et tu as opéré à notre endroit le miracle du réveil. Nous sommes là ce matin avec nos amis, nos frères et sœurs pour chercher Dieu, pour entendre ta voix parler à nos cœurs et recevoir de toi de nouvelles instructions capables de nous former pour salut. Je prie encore ce matin pour la force de mes frères. Je prie pour la force de mes sœurs. Seigneur, tu nous connais. Tu les connais avec leurs faiblesses, leurs imperfections naturelles et acquises. Mais tu es le Dieu qui renouvelle les forces, qui décuple les énergies selon qu'il est écrit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Agis pour nous, interviens comme toi seul est capable de le faire. Fais dans la vie nous un bagage neuf, font bagage neuf dans la vie nous, Seigneur. Font bagage tout neuf, parce que c'est mon Dieu qui a fait. Nous prenons nos Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Font bagay neuf dans la vie, bagay neuf dans la vie, bagay neuf dans la vie, Seigneur. Font bagay neuf dans la vie, bagay neuf dans la vie, bagay neuf dans la vie. Seigneur, ou a fait un miracle neuf dans la vie, miracle neuf dans la vie, miracle neuf dans la vie. Seigneur, ou a fait un miracle neuf dans la vie, un miracle neuf dans la vie. Un miracle neuf dans la vie, Seigneur. Moi dis fais un bagaille neuf dans la vie, un bagaille neuf dans la vie, un bagaille neuf dans la vie, Seigneur. Ou a fait un bagaille neuf dans la vie, un bagaille neuf dans la vie. Yon bagay neuf dans la vie, Seigneur. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons
Chantons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage, pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté. Tu bénis d'âge en âge, Alléluia, Céleste Esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré, de ta vive lumière. Alléluia, Dieu, toi, foi saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais et que tout l'univers en paix adore ton empire. Règne sur ton peuple à jamais et que tout l'univers en paix adore ton empire. Règne sur ton peuple à jamais et que tout l'univers en paix adore ton empire. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux, la poussière était insolente. Il accuse et le pécheur, devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et s'écrie en son effroi, et s'écrie en son effroi, ô montagne, tombez sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne.
gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique sous la mêle montera jusqu'à son trône. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire. Gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur. Oh, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puis ce ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais. Que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire. Reçois au Saint-Esprit, gloire reçois à Dieu le Père, gloire reçois à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité. Dure à perpétuité, son immense charité, dure à perpétuité. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours
et sa fidélité de génération en génération. Amen. Wow. Wow, that's good. Il faut grand Dieu que de mon cœur la sainte ardeur tu glorifies. Qu'à toi des mains et de la voix devant les rois psalmodie, j'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais, oui Seigneur, par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, que tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés et priés sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi où la voix de ta promesse. Ton nom est célèbre à jamais, Seigneur, par les effets de tes paroles. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges, ô grand Dieu qui de tes hauts cieux, Dieu Sébalieu, voit toutes choses. Quoi que tu sembles être loin, c'est sur ton soin que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main l'appuie, c'est ton bras qui sauve des mains des inhumains ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans se lasser, ta main l'achève. Ce qu'il t'a plu de corps,
à Dieu. Gloire à toi, Dieu puissant. D'un cœur reconnaissant. Ton peuple saint te bénit en ce jour. Uni par ton amour, il chante en ce jour ta puissance et tes vœux. Gloire à Dieu. Oh, nous comptons, oui, bien-aimés. Seigneur, nous bénissons, nous sommes dans la joie. Parce que tu es le Dieu de notre salut et de notre espérance. Merci, Papa, parce que tu fais nous dormir, nous lever. Gen moun kal dormi, yo en difficulté, yo pa gen sommeil, yo tourmenté, yo agité, yo fatigué, yo oppressé. Mais Seigneur, tu nous as fait la grâce pour nous dormir, pour nous lever. Et nous t'es capable de dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Matin, nous prions pour faire nous avec ce nous demander la paix pour nous, nous demander grâce pour nous, nous demander bénédiction pour nous. Aidez au céleste Père pour faire l'expérience de la vie abondante qui est en Jésus, car elle est pour tous ceux qui croient en son nom. Pour contrôler journée pour nous, mon Dieu, pour le travail, ça qui est en sourde, protégez-nous, et fais-nous grâce. Nous prions dans Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Bien-aimés, nous comptons pour que nous capables ensemble ce matin et pour vivre ce moment dans la présence de Dieu. Oui, il y a d'abondantes joies en sa présence, des délices éternels devant sa face. Et parce que le Seigneur nous a graciés, favorisés, parce qu'il fait nous grâce pour que nous capables dans la présence ce matin, c'est une raison. Pour que nous soyons capables de dire merci. Nous allons rentrer dans l'enseignement pour aujourd'hui. Nous allons rentrer dans l'enseignement pour aujourd'hui. C'est le troisième jour dans la bataille. Les amis ou dans la bataille. Marie Saint-Tour, mes garçons, dans la bataille, ce n'est pas cri ou cri. Dans la bataille, c'est point ou Marie. Dans la bataille, c'est Zamon ou Rallye pour mener la bataille dans le nom de Jésus. Nous allons rentrer dans l'enseignement pour aujourd'hui. Mes garçons, mes femmes. Il y a un cantique qui nous a permis de chanter pour nous. Avant que je rentre dans l'enseignement pour matin, hein, il dit comme ça, la lutte suprême nous appelle tous, et Jésus lui-même marche devant nous, que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre. Soldats en avant, pour la sainte guerre, soldats en avant, pour la sainte guerre, soldats. Couvre ma tête au jour du combat. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui me délivres, ô Dieu, et qui combats ceux qui me haïssent. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de ton peuple. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Et avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous revenons à la tâche ce matin encore, dans le cadre de ce moment de prière, Zami ou na bataille. Nous t'ai commencé à expliquer c'est quoi la guerre spirituelle ou le combat spirituel. Je me rappelle vous avoir dit que l'expression la guerre spirituelle est utilisée pour désigner la guerre des esprits ou la lutte contre les esprits. Il existe des entités spirituelles. Tandis ça, pas oublier ça. Il existe des entités spirituelles, des êtres invisibles, néanmoins réels, qui se battent entre elles et qui s'attaquent aux humains.
Cette réalité s'appelle le combat spirituel. Et dans la théologie adventiste, il y aurait la grande controverse ou le grand conflit. C'est le choc des titans. La Bible, loin de cacher cette réalité, l'y révèle à clé pour tout le monde qui gagne Jéboué. Nous lisons à Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, où il est dit « Et il y eut guerre dans le ciel ». Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il dit comme ça « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Donc, une bataille qui pétait, et cela a commencé dans le ciel. C'est la bataille pour le trône, c'est le choc des titans. Et cela a abouti à l'expulsion de Satan du royaume de Dieu, du ciel, et il fut précipité sur la terre. Là, important pour comprendre que il y a deux catégories d'esprits. Il y a deux catégories d'esprits. Il y a ce que nous appelons les esprits bons et les esprits mauvais. Les esprits purs et les esprits impurs. La Bible, pasteur, quand on joue une parole, ça va dire, il y a toujours un bon paquet de bagages drôles, on va dire. La Bible dit, nous sommes l'île pour vous. La Bible a dit, et il y a eu guerre dans le ciel. D'une part, il y a Michael ou bien Michel et ses anges, et d'autre part, il y a le dragon et ses anges. Deux catégories, deux groupes d'esprits s'attaquent, deux groupes d'esprits se battent. C'est ça, il y a une guerre. Donc, Michel et ses anges constituent les forces armées célestes, ceux-là qui luttent pour le maintien du règne de Dieu. Le dragon et ses anges font partie de la, ils font partie du groupe révolutionnaire qui se dresse contre Dieu. Et le leader du parti s'appelle, et Bible a révélé le dragon, le grand dragon, Bible a révélé le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est comme ça, Bible a révélé. Quand on joint sa pasteur, nous soutenons là, l'idée, et il fut précipité, qui est-ce? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9. Maintenant, là, important pour comprendre que le nom Satan, en hébreu Satan et en grec Satanas, il signifie littéralement ennemi, adversaire, accusateur. Je reprends. Le nom Satan, il signifie et ennemi, adversaire ou accusateur. Donc, l'important pour comprendre que dans son essence et dans sa substance, Satan est un adversaire. C'est un opposant. Il est l'ennemi de Dieu et il est l'ennemi des enfants de Dieu. Où doit-on comme ça? Satan, son opposant. Satan, son adversaire. Satan, son ennemi lié. Jamais oublier Samdoula. Il est l'ennemi de Dieu et il est l'ennemi des enfants de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il est l'ennemi de Dieu et il est l'ennemi des enfants de Dieu. Donc, toute la haine, toute la colère que Satan ressente pour Dieu, puisqu'il n'est pas capable de frapper Dieu, il s'attaque aux enfants de Dieu. C'est ça que fait l'ennemi fait plus tard, ou pas, il dit comme ça. Et l'ennemi, l'énervé, l'attaquer à petit bon Dieu, à ceux qui ont la foi de Jésus. Nous voyons comment l'attaquer. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi de Jésus. Jésus pral révéler nous à clé les intentions de Satan, cet ennemi redoutable. Et Jésus dit nous, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mets-toi intention Satan, mets-toi projet Satan, ennemi ça, adversaire ça pour petit bon Dieu.
dérober, égorger et détruire. Ou doit comme ça? Et c'est ça que fait Pierre, pour aller dire à 2 Pierre chapitre 5, verset 8. Pierre pour aller dire, soyez sobre, veillez. Ouais. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc Satan toujours chercher qui est pour le dévorer, qui est pour le manger, qui est qui sent pour le boire. C'est un ennemi dans sa nature, dans son essence et dans sa substance. C'est un ennemi, c'est un adversaire qui cherche à dérober, à égorger et à détruire. Period. Satan ne veut pas ton bien. Satan ne veut pas ta prospérité. Satan ne veut pas ton bonheur. Donc, pas de bagaille ou t'as des diables, mais mon diable, pas qu'on aime, mais mon. Ça n'existe pas. Et Paul, pour elle dit nous, n'ignorons pas ce dessein. Et ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous. Quand on joue ça, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, Paul dit comme ça, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Et verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Maintenant, nous identifions l'ennemi. Nous savons qu'il s'appelle Satan, le grand dragon, le serpent ancien, le diable, celui qui est accusateur, qui est ennemi, qui est un opposant. Et Paul dit nous, fon pa bail ennemi avantage sous nous. Ok, fon pa bail avantage sous nous. Maintenant, question, c'est que comment capable bay ennemi un avantage sous ou? Ou bay ennemi sa avantage sous ou, c'est le li gen bagay li dans la vie ou. Hein? C'est le li gen bagay li la kayou. C'est ça que faut attendre Jésus dit. Ma bon, tout verset ou net, yon de l'autre. Bip, 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 bip. C'est ça que faut attendre Jésus dit dans Jean 14, verset 20. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Livini, mais le pas jouer péché, la caille Christ. Livini, le pas jouer convoitise, dit la caille Christ. Livini, le pas jouer orgueil, dit la caille Christ. Livini, le pas jouer haine, dit la caille Christ. Livini, le pas jouer rivalité, envie, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est antithétique à l'esprit du Seigneur. Livini, le pas jouer la caille Jésus. Maintenant, l'important, zami ou nan bataille, m'pral montrou comment pour bataille, mais l'important pour apprendre quelques techniques de défense. Et sinon, ça nous y est dans le moment ça. Nous avons une technique de défense. Maintenant, l'important pour qu'on ait comment Satan attaque moun. Comment Satan s'attaque-t-il à nous? Comment Satan s'attaque à nous? Premier, on besoin qu'on ait plusieurs niveaux d'attaque. Il m'a va montrer ça yon de l'autre. On besoin qu'on ait gagné ça ou les plusieurs niveaux d'attaque satanique. Premier niveau attaque satanique, bon goûte de l'eau, on va me la grosse vérité ça dans ouais le matin. Merci Seigneur, gloire à la vie. Premier niveau d'attaque satanique, quoi besoin qu'on ait, c'est ça où elle est la tentation. Pas oublier ça. Le premier niveau d'attaque satanique, où elle est la tentation. La tentation qui s'allie, c'est une pensée qui vient dans la tête au monde pour inciter à faire le mal. Je reprends. La tentation est une pensée qui survient à notre esprit pour nous inciter à faire le mal. Donc, quand il y a une pensée qui vient dans ton esprit, et cette pensée-là est contraire à la volonté de Dieu, cette pensée-là est contraire à la loi de Dieu, cette pensée-là est contraire aux voies clairement détaillées dans la parole, maintenant, il y a relais ça, il y a une tentation. L'important qu'on y a pour qu'on ait
source tentation. Yo. En fait, bon continuer détailler tentation. Donc, toute tentation, si on pense qu'il vient dans tête au monde pour inciter monde à faire le mal. Tenez bien. La tentation son sollicitation au mal. Son invitation à la désobéissance ou bien en anglais si m'tab dit it is a suggestion to do the forbidden. When you are tempted, you are suggested. It is a suggestion that you receive to do the forbidden. Donc quand tu es tenté, tu reçois une suggestion de la part, ou recevoir une suggestion, on va parler de différentes sources de tentation, sont suggestions qu'on reçoit pour capable faire le défendu. Et quand cela arrive, il y aurait les tentations. Tenez bien. Tentation, c'est pour le colique péché. Tentation, c'est première étape, là. C'est pour la tentation de péché. Okay? Donc, tu peux avoir une idée dans ta tête, ce n'est pas encore le péché. Mm-mm. Parce que les suggestions, nous les recevons presque tout le temps. Mais ça ne parle pas du péché pour autant. On va parler un peu plus de ça maintenant. Là, important pour comprendre que ces idées qui vous viennent à l'esprit pour capables inciter au péché, pour capables inciter au mal, il y a plusieurs sources. Dans un premier temps, ces idées peuvent venir de vous. Oui. Bon, maintenant. Amen. Ces idées peuvent venir de vous. De vos passions, de vos mauvais désirs, de vos habitudes, de votre tempérament, des vices naturels et acquis avec le temps. Donc, ces idées viennent de vous. Il y a des choses qui sont là. Vous avez un désir pour faire un bagage qui est mal. Vous avez un désir pour faire un bagage qu'on n'a pas supposé faire. Donc, ça vient de vous. Dans un deuxième temps, et pasteur, l'on dit ça vient de nous. Quand on joue, il n'y a pas l'évangile là, non. Il n'y a pas l'évangile, on m'a dit. Ne me fatiguez pas ce matin. Vous me fatiguez parfois. Et tout premier bagage là, ça vient de vous. Et tendez comment et la parole explique ça. À Jacques chapitre 1, tendez ça le dit, dans Jacques chapitre 1. Il dit comme ça dans Jacques chapitre 1, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Bon Dieu pas tenté moun, papa, ça c'est l'autre dimension. Bon Dieu met moun à l'épreuve, mais Dieu ne tente pas quelqu'un. Dieu n'incite pas quelqu'un à faire le mal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais chacun est tenté, attendez, oui, chacun est tenté. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, ses propres désirs, c'est ça que fait me dire dans un premier temps, ça vient de nous. Ça vient de nous, ses désirs viennent de nous. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. OK? Donc ça vient de nous. Maintenant, on continue. Deuxième source de tentation, ça peut venir des autres. Ça peut venir des autres. Deuxième source de tentation, nous des fois ça vient de toi-même, du fond de ton cœur, du fond de ton être, ça vient de toi. Deuxièmement, ça peut venir des autres. Par exemple, la Bible a parlé. Mais ça, on moun ka font l'autre moun péché, attendez. On moun ka font l'autre moun péché. On moun capable d'inviter un moun pour le faire mal. Conduit un moun dans le mal. Faut toujours ça. Nous avons un exemple dans la Bible, dans 1 roi, chapitre 22, c'est ça. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 50 et 51, et Bible, et non. Et c'est ça. C'est ça. 1 Roi chapitre 22, nous apprenons depuis dans verset 52. 52. 52. Et
OK. N'a prend verset 52 avec 53. Attendez ça, il dit. 1 Roi chapitre 22. Il dit comme ça, Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Verset 53. Il dit comme ça, il, c'est-à-dire Akazia, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Akazia marchait dans la même route, dans le même chemin, ensemble avec et Jéroboam, hein, Bible a dit, fils de Nabat qui avait fait péché Israël. Tenez bien. Moi-même, yon na bagay, tout le monde a supposé comprendre. Pas jamais quitter le monde, il faut faire tété. Pas jamais quitter le monde, il faut faire mal. Vous entendez? Pas jamais quitter le monde, il faut faire mal. Parce que l'impossible pour un monde, il faut pécher. Li possible pour un monde induire pour mon inviter à faire le mal. Et pasteur, quand on joue une bagaille ça, nous pas besoin aller plus loin non. Nous pas besoin aller plus loin non. Yon nan côté où est ça clair. Aïe 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 bon l'évangile. Yon nan côté où est ça clair. Où est ça dans le livre de la Genèse? Merci Seigneur pour révélation ça. Où est ça dans le livre de la Genèse? Quand on joue ça, passe. Dans le livre de la Genèse. Bible a dit comme ça, la femme verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Il finit de manger, peut-être. Mais regarde ce qui s'est passé. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quand même bien, mais l'évangile n'en ouais nous. Et mieux qu'on est, que. Et c'est là, oui, pour comprendre stratégie ennemie. Il faut m'aller rapide pour vous, parce que d'après moi, comprendre l'évangile, ça que le Seigneur veut bah ouah. Ennemi qu'on est, que l'Iguinois n'est pas capable de faire bagarre la sortie de vous-même. Et ennemi qu'on est, que lui-même personnellement, l'Iguinois n'est pas capable de côté vous. L'utiliser, lui passer par personne interposée pour l'atteindre. Et c'est ça que fait un ennemi. Je vais dire nous deux bagarres qui sont importantes. Ouais, ou même, attendez, deux bagages. Premier bagage là, cap important pour comprendre. Pas jamais quitter Satan servi avec pour faire un homme de Dieu, une femme de Dieu tomber. Pas jamais oublier ça, tout là. Pas jamais quitter Satan servi avec vous, ces garçons, ces femmes, pour prendre un monde, un petit bon Dieu, pour faire le tomber. Deux. Donc, pas jamais quitter Satan fait ça. Deux. Troisième bagage cap important. Ouais, l'orgon monde qui proche. Fais attention pour l'autre monde pas utiliser pour atteindre. T'as dit ça, m'dou là, oui? L'homme monde qui proche, fais attention pour l'autre monde pas utiliser pour atteindre. Parce que y'a des monde qui connaît que y'a pas capable d'atteindre on servante, bon Dieu, on serviteur, bon Dieu, parce que y'a pas de relation ça ensemble avec elle. Mes amis, bon, maintenant, nos chéris. Amen. Quel monde qui connaît, y'a pas gagné relation ça ensemble avec mon nom pour y'a atteint. Qui ça y'a fait, y'a passé par un monde qui proche lui pour capable de river Bali. Ou pas commissionner personne. Ou pas commissionner personne. Ou pas commissionner Satan, le diable. Ou dans les amdou là. Donc, des bagay pas qui te moun utilise ou pour capable faire l'autre péché. Faut m'aller rapide. L'évangile ça trop raide. Hein? Les tentations viennent de nous. Deux, elles viennent des autres. Un homme peut entraîner tout un peuple à pécher. Jean Tewel, comment Akazia te fait ça? Une femme ou un homme peut entraîner un autre homme ou une autre femme à pécher. Nous voyons ça déjà dans Genèse chapitre 3. Mais ça, c'est dimension d'attaque qui est sauvage. C'est lorsque ça vient de Satan lui-même. Mais ça, bon texte dans la Bible qui en pile monde pas qu'on est. Et ça fait que je veux comprendre les dimensions d'attaque. Dimension d'attaque.
nous louer comme ça. Oh Seigneur, fais peuple à comprendre ça, non. Fais-nous comprendre l'évangile ça, non. Fais-nous comprendre que Satan capable de passer par personne interposée. Gon moun lèl parler, c'est Satan qui parle dans lui. Gon moun lèl vinn koto, c'est Satan qui voyait. Fais-nous comprendre ça, non, Seigneur. Aïe aïe aïe. Il y a deux bagages. On va mal dans le troisième passage, ça, on va mal dire parce que je me sens ça important. Ouais, l'os et moun, gon zami qui vient côté ou. Et puis tout le monde dit, et tel, et. Soit pensez de tel bagage ou bien fait tel bagage pour moi. Yon nan bagage ou a besoin faire en tant que moun qui a visé qu'à recevoir instruction la parole de Dieu. Ou a besoin discerner. Est-ce que ça moun nan di ou lan li soti de li même? Ou bien est-ce que ça di ou lan li soti yon l'autre côté? Ouch! Allons l'évangile. Bon, amen, non, non, chérie. Amen. Ou a besoin qu'on est, est-ce que ça moun nan di ou la, li soti de li même? Ou bien soti yon l'autre côté? Bon, baga yon moun tout, c'est pas de li soti. Faut qu'on ouè sa ou grand ti moun. Faut ouè se voye ou voye. Faut ouè se utilise ap utilise. Faut ouè son moun ki passe par li même. Faut ouè son moun ki voye le dou sa le dou la. Faut ouè son moun ki voye le mande sa le mande la. Mes amis. En fait, dans la Bible, là, alléluia. Dans la Bible, la Bible a dit comme ça. Bible a dit comme ça. Bible a dit comme ça. Et au diable qui n'avait parce que Jean-Baptiste t'a désapprouvé mariage lui ensemble avec Hérode. Et puis tout les petites là a dansé. Et puis tout que Hérode content. Et puis tout petite là a demandé. Hérode dit qu'on ça mande ça ouvler. Et puis tout là le côté maman. Et puis tout maman dit qu'on ça demande la tête de Jean. Demande la tête de Jean. Gon moun, gon attaque ou prend. C'est pas moun ki ba ou la ki bo attaque là, son personne interposée, son personne interposée, son personne interposée que l'Éternel des fois découvre. Aïe aïe aïe, que l'Éternel bon discernement pour découvrir ça, que l'Éternel bon grâce pour découvrir ça, que l'Éternel ouvre l'esprit pour découvrir ça, pour capable identifier. Kout bagay ça sorti. Ouch. On continue. Maintenant, m'a parlé de niveau d'attaque dans dimension tentation. Étudier sous tentation, d'où ça vient de vous, ça vient des autres. Gon l'autre tentation même qui vient de Satan lui-même. Koto jwenn sa homme de Dieu, koto jwenn sa serviteur. On nous aller dans Jean chapitre 13, verset 2. Tenez, ça dit dans Jean, ça sont l'autre niveau d'attaque, oui papa. Ça sont l'autre niveau d'attaque. Dans Jean chapitre 13, verset 2, bon, il dit comme ça, pendant le souper. Alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, c'est-à-dire Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit et puis tout continue de travailler. Attendez, et si l'on comprend. La trahison de Judas. Bien que Judas avait ses intentions, bien que Judas avait ses ambitions, la trahison de Judas, la Bible enseignait que c'est Satan qui t'est fourré dans tel Judas. Le dessein de livrer Jésus. Lis encore. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Comment bagarre qui est venu? Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas des autres. Ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Et il y en a plus gros âmes Satan gagné dans la guerre spirituelle, c'est la séduction. Ou je n'ai pas oublié ça, non? Yon n'a plus gros âme que Satan gagne dans la guerre spirituelle, c'est la séduction. Séduire, c'est amener à désobéir. Séduire, c'est induire en erreur. Comment? Il utilise les mensonges, il utilise la fausseté, il utilise les fausses promesses, il utilise la déception. Satan peut amener quelqu'un à croire ce qui n'est pas réel. Il utilise les rumeurs.
Satan détendu. Satan depuis ses bagailles, les joigne pour l'utiliser, pour le décevoir, la faire. Il n'a pas de scrupules, il n'a pas de valeur morale, quel que soit salvé, il n'a pas de principe, salvé à la faire. Étendez sa Bible a dit, l'Éternel a posé la femme question. Il dit, l'Éternel a posé la femme la question. Bible a dit comme ça, Bible a, l'Éternel parlait à la femme dans Genèse chapitre 3. L'Éternel parlait à la femme, il dit, et l'Éternel Dieu, Genèse chapitre 3 verset 13, Genèse chapitre 3 verset 13, il dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. C'est son mentir, maman. C'est son déception. C'est décevoir, décevoir. Le serpent m'a séduite. Ils comprennent bien, oui, mes amis. Ce que je vous dis là est puissant, oui. Satan a une capacité de déception à laquelle même les anges les plus puissants ne sont pas épargnés. Oui, dans l'évangile. Écris ça pour moi. Écris Jean dit là. Écris pour moi en bas là, s'il vous plaît. Bon, dis-le encore. Satan a une capacité de séduction ou de déception auquel même les anges les plus puissants ne sont pas épargnés. Ouch. Quand on joue ça. Bible a expliqué que dans sa rébellion contre Dieu, Satan avait entraîné dans sa chute, dans sa rébellion, et par après son expulsion du ciel, un tiers des anges. Il y en a un ça où il y a toute couleur, autorité, trône, principauté, il y a toute couleur. C'est parti un jour dîner seulement qui tombe, qui suivent ennemis dans la déception. Là, non, Satan a une capacité, Seigneur, préservez-nous. Seigneur, préservez-nous, Seigneur, préservez-nous. Satan, il doit à fort, font bagaille dans l'esprit ou à faire pour bon Dieu, alors qu'en réalité, l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit de Satan. Oh, Jésus explique ça. Jésus dit comme ça, l'heure va arriver. Côté que moun kava touye nou yo, yo a pensé que son culte y apprend à Dieu. Oui, bon mauvais c'est ça, bon mauvais c'est ça. Bon mauvais c'est ça. Bon mauvais c'est ça. Côté Jésus dit comme ça, l'air va arriver. Côté moun ka va touye nou yo, moun ka va faire nous mal yo, moun ka va faire nous méchanceté yo, pour yo même son culte y apprend avec bon Dieu. Bon de ça. Bon moto dit ah ouais. Ouh. Fom mauvais c'est ça, fom bon oui. Tout ça, forme bon rapide. Jésus explique ça. Yeah. Jésus dit, l'heure vient. Et côté moun, qui a persécuté yo. Aïe. Ouch, là, bon problème là. Oh, c'est ça. Dans Jean chapitre 16, c'est ça. Dans Jean chapitre 16, commencez à mettre musique là, mon frère. Commencez à mettre musique là, ce chéri. Dans Jean chapitre 16. Bon, l'île pour rapide. Dans Jean 16, qui ça le dit? Jean 16, verset 2. Attendez, oui. C'est pas moi qui dis, c'est Bible, elle dit. Jésus dit comme ça. Je vous ai dit ces choses. Afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et tout le parler. Il dit comme ça. Ils vous excluront des synagogues. Mettez-nous dehors. Ils vous excluront des synagogues. Attendez, ça le dit. Il dit, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Pendant qu'il a pété ciel, pour eux-mêmes, c'est bon Dieu à adorer. Pendant qu'il a cherché à éliminer, pour eux-mêmes, c'est bon Dieu à servir. Pendant qu'il a cherché à finir, pour eux-mêmes, c'est bon Dieu à servir. Satan a une capacité de déception. Côté qui doit avoir fait travail. Et plutôt, pendant que tu fais le travail du diable, pendant que tu fais le travail de l'ennemi, pendant que tu fais le travail des démons, pendant que tu fais le travail des esprits méchants, pendant que tu fais le travail des esprits impurs, et plutôt, sans parents nous compte, ou penser, ou pas tu fais
le travail des ennemis. Et puis tu penses que tu fais le travail de Dieu. Tu penses que tu fais le travail de Dieu. Mais pourtant tu travailles pour Satan. Tu es un agent du diable. Tu es un agent des démons. Tu travailles pour le monde invisible des enfers. Tu travailles pour le monde de Satan. Et c'est ça que fait Alléluia. Ou attendez, Jésus, les Jésus apprennent nous prier. Les Jésus apprennent nous prier. Et puis Jésus dit, quand vous priez, là on va prier, mais qui s'en va dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis Jésus rentre pour ça dans la prière. Son bagage pour prier. Jésus rentre pour ça dans la prière. Il dit comme ça. Il dit, l'offre dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis il dit, pour dire, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et puis il ajoute, il dit, mais délivre-nous du malin. Oui, oui, oui. Pas qu'il t'aime tomber. Pas qu'il t'aime succomber dans la tentation. Mais délivre-nous dans le bas diable. Et puis tu pourras rentrer dans la prière. Et puis tu pourras prier de la manière suivante. Ou pourras dire, Seigneur, aïe aïe aïe, bonne musique dans le fera. Seigneur, nous venons devant ma terre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que l'heure est avancée et nous avons reçu cette instruction de toi. Reçu cette instruction de la parole. Ou rendre ou aider nous identifier ennemis. Ou faire nous comprendre que yon, notre niveau d'attaque ennemi, c'est la séduction. C'est la tentation. Il est un ennemi rusé. Il est un ennemi qui skills and compétences. C'est pas aïe la décevoir moun. C'est pas aïe la séduire moun. He, my God, diable, sa capacité pour séduire même les anges les plus puissants. Et nous-mêmes, Seigneur. Mais nous croyons, oui, c'est ça que fait matin, on a prié. Nous délivre-nous des tentations qui viennent de nous. Délivre-nous des tentations qui viennent des autres. Mais surtout et aussi, délivre-nous des attaques, des tentations qui viennent de Satan. Pas qu'il te le mette dans le cœur nous des choses qui sont contraires à toi. Pas qu'il te le mette dans le cœur nous des choses qui sont indignes du royaume, qui sont indignes de toi. Mais Seigneur, grâce, ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est un gros jeune garçon qui a boumé pour ne pas tomber dans le péché. Ça, gros jeune fille qui a boumé pour ne pas tomber dans péché ça, comme on dit dans des désirs naturels, mais ces désirs sont contraires à ta volonté, des désirs de tempérament, mais ces désirs sont contraires à toi, des désirs dans sa vie sexuelle, mais ces désirs sont contraires à toi, des désirs dans sa vie sentimentale, mais ces désirs sont contraires à toi, des désirs même dans sa vie spirituelle, mais ces désirs sont, aïe aïe aïe, contraires à toi. Matin Seigneur, nous venons demander au nom de Jésus, pas qu'il t'aime tomber, frappez, prière. Arrête matin, prie à sauvage matin, frappe, dis c'est pas qui t'aime tomber, frappe, aïe aïe aïe, dis c'est pas qui t'aime tomber, pas qui t'aime tomber, oh c'est que même pifa, parce que si pied m'chapper, si pied m'chapper, m'tomber en bas, oh c'est pas la vie, frappe en bas là pour me souplir, dis c'est pas qui t'aime tomber, c'est pas qui nous frappe, c'est la vie ou c'est la vous, c'est la vie ou c'est la vie ou c'est la vous qui est en jeu là, c'est ta destinée, c'est la destinée de tes enfants, c'est la destinée de ton mari, c'est la destinée de ta femme, c'est la destinée de ta communauté. Frappe, dis c'est pas qui t'aime tomber, pas qui tes petits garçons en tomber, pas qui tes jeunes filles en tomber, pas qui t'es pas qui t'es tomber, Seigneur. Océan qui est bien plus fort, parce que si bien m'échapper, si bien m'y mal échapper, et puis tu me tomber en bas, c'est pas la vie, pas qui t'aime tomber, frappe, pas qui t'aime tomber, c'est qui est bien plus fort. Je prie matin. Seigneur, que bien au plus fort. Prie matin pour mon Sayo, Caroline de Saline, Georges, Franck et Fabienne Magloire. Je prie pour Cher Jean-Baptiste. Je prie pour Sœur Rachel et famille. Je prie pour Laurette Louis-Saint. Je prie pour Emmanuela Mérilien. Je me lève devant le Dieu Tout-Puissant. Martine Fontus, Julien Fontus, Roisa César. Qui a fait anniversaire au chéri. Je prie pour moi qui a fait anniversaire au matin, Seigneur. Naïla Léric, Irvel Garçon. Je prie pour Jean Kessner Gentil. Je me lève devant mon Dieu matin, Rosette Jean-Étienne. Je prie pour Ernst Voltaire et Monique Voltaire. Je me lève devant le Dieu Tout-Puissant, Victoria Edmond. Je prie matin pour Yasuko Savoie. Seigneur, que même plus fort. Seigneur, que même plus fort. Aïe, 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 aïe. Pas qui t'aime tomber, l'éternel, pas qui t'aime tomber. Pas qui t'aime tomber, non, Seigneur.
protéger mon bon Dieu. Pare quoi, pare quoi, pare quoi. C'est pare quoi pour moi, c'est pare quoi pour moi, c'est pare quoi pour moi, c'est pare quoi pour moi. Pas quitter me tomber, Seigneur, pas quitter me tomber, pas quitter me tomber, non bon Dieu, pas quitter me tomber, non, pas quitter petit ou tomber. Délivre-nous, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas succomber au mal, ne nous laisse pas succomber au mal, mais délivre-nous du malin, Seigneur. Délivre-nous du malin, ô Dieu. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Oh, mes amis, elle a commencé bien, lui. Elle a commencé bien. Troisième jour, seulement elle a commencé bien. Lui est arrivé, Fofara, et elle a fait lit. Donc, nous avons pris mes printemps pour nous dire joyeux anniversaire à Mounsayo. Oui. Nous avons plusieurs personnes qui ont fêté l'anniversaire. Nous avons Naïla Lyric, nous avons Irvel Garçon, nous avons Jean Kistner Gentil, Rouge Zette, Jean-Étienne, Hans Voltaire et Monique Voltaire. Nous avons Victoria Edmond. Et depuis hier, nous avons commencé à célébrer à ce nom, ce Yasuko Savoie. Mes amis, je vais dire un bagage. Ouais, événement COVID-19, c'était un événement historique. Nous ne devons pas jamais vivre pour nous faire un bagage encore. Nous avons un confinement sauvage. Et nous t'apprenons nous connaît que dans l'équipe bon Dieu t'es choisi. Le Seigneur tu veux te mettre sous moi comme capitaine équipe là. C'est moi-même le Seigneur t'es choisi comme capitaine. Mais il y avait également des équipiers, des coéquipiers. Et il y en a coéquipiers que nous dit bon Dieu merci pour les Seigneurs Yasuko Savoie. Donc Jodia elle fête son anniversaire en nous montrant un peu d'amour, en nous dit comment nous remet dans la communauté, comment elle a été pour nous et est encore pour nous une source de bénédiction par sa voix, l'onction qui est sur sa vie et le fait qu'elle se donne pour servir le peuple de Dieu, c'est une bénédiction, frères et sœurs. C'est une bénédiction. Seigneur, ma terme, nous merci pour la vie de ta servante. Merci, Céleste Père, de ce que tu nous as assisté, de ce que tu nous as aidé pendant, surtout pendant cette période de confinement. Et merci, Céleste Père, pour façon qu'on utilise jeune fille ça dans le ministère. Nous, elle est une bénédiction pour nous. Merci de sa vie. Merci pour ce que tu fais, le fait, Seigneur, sous la terre, pour le capable bénir nous dans la dimension ça. Moi, je demande qu'on soit capable de protéger, qu'on soit capable de soutenir. Matin, Céleste Père, je demande que pas quitter le tomber dans la tentation. Pas quitter le tomber dans la tentation ennemie. Des tentations qui peuvent venir d'elles-mêmes, qui peuvent venir des autres et qui viendront certainement de Satan, le diable. Je demande qu'on soit capable de guimber ses ventes ça. Son bénédiction liée pour la communauté, son bénédiction liée dans la vie spirituelle. Nous, l'aider nous par sa voix pour nous rentrer dans l'autre dimension de Dieu, pour nous vivre, mon Dieu, dans l'autre dimension. Matin, mando grâce spéciale pour lui, mando faveur spéciale pour lui, mando mari spéciale pour lui, mando des bénédictions spéciales pour lui, Seigneur, et mando pour capable faire route avec que même seul qui a capacité pour faire. On va couvrir, on va couvrir famille, on va couvrir travail, on va couvrir dans tout domaine. Matin, font livraison spéciale pour lui. Matin, la grâce spéciale sous lui. Matin, la bénédiction spéciale sous lui. Et non, à va glorifier. Je vous remercie parce que c'est mon Dieu vivant. Nous merci parce que c'est bon Dieu qui a régné. Fais pour nous au-delà de nos attentes. Fais pour nous au-delà de nos espérances. Car toutes ces choses, nous te les réclamons au nom et par les mérites infinis de Jésus, auquel soit la gloire et l'honneur, la puissance et la force dès avant tous les temps et pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, nous disons joyeux anniversaire à tout le monde qui a fêté joyeux anniversaire à ce Yasuko. Mes amis, monsieur, yo, monsieur Poko Marieo. Et qui a cherché, on me dit, pas oublier, non, me dit nous comment pour nous approcher comme elle, me dit nous comment pour nous approcher femme. Vous comprenez? Ou qui doit créer une façon pour elle, et puis tout dit, mais qui sont auditeurs pour New York, ou pas être, et puis tout dit, shorty, can I have your digits? Dis, shorty, can I have your digits? Mais voyez là où est mes amis, nous comptons avec lui. C'est à te faire une grâce pour qu'il soit capable de la présence, bon Dieu. Nous saluons tout le monde. Le notre plus prochain rendez-vous. Et fi, restez dans la bataille. Restez dans la bataille. Allez, sacou. Allez, documents. Allez, instruments. Restez dans la bataille. Et puis pendant toute journée, dit Seigneur, délivrez-moi de la tentation. Et le Seigneur va aider. Pour te servir au matin hein, à la technique. C'est votre sœur, Dr. Farah César, et derrière le micro, votre frère, pasteur Dr. César Johnson, qui en attendant nous rencontrer demain matin, si papa, bon Dieu, quitte la vie dans nous, pour nous continuer voyage ça. Joue 4, Zami, ou dans la bataille, nous la guérons dans deux plats, mais papa, bon Dieu, et pour nous pas oublier, bon Dieu, remercie, nous remercie tout. Bye bye.
Oh! Thank you, Jesus. Thank you, Lord.